Promouvoir la jeunesse du Kassai oriental et celle de la ville de Mbujimayi en particulier, c'est le cheval de bataille de Lydie Moussa Badibanga. La fondatrice de la fondation qui porte son nom a procédé le dimanche 29 octobre 2023 à la clôture du tournoi intercommunal de football dénommé Lydie Moussa Badibanga au terrain d'entraînement de Samaïté Sangabalende. La cérémonie de clôture est sanctionnée par la finale du tournoi opposant l'équipe des jeunes du FC GD Effort à celle de Dibinti devant un grand public, composé notamment des autorités politico-administratives et policières, des sympathisants de la philanthrope Lydie Moussa Badibanga ainsi que plusieurs militants et cadres de son parti politique Union pour les valeurs tshisekedista. Bien avant le coup d'envoi de la finale, la patronne de la fondation Lydie Moussa Badibanga a indiqué qu'il y a un trophée accompagné d'une enveloppe colossale pour l'équipe championne. Lydie Moussa Badibanga a ensuite remercié tout le monde qui a participé activement à la réussite de cet événement sportif. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous en ce jour si spécial qui marque la fin du tournoi intercommunal de football dénommé tournoi Lydie Moussa Badibanga, qui a opposé plusieurs jeunes des différentes communes de notre chère ville Mbujimayi, dont la finale va se jouer entre deux équipes respectives de Dibindi contre l'équipe GD, qui est la sixième équipe qu'on a prise pour faire le compte normal. À l'issue de cette finale, l'équipe qui va remporter bénéficiera d'une enveloppe prévue à cette fin. Au nom de la fondation LMB, je voudrais traduire notre profonde gratitude et une reconnaissance infinie à tous celui qui, de près ou de loin, a contribué à l'organisation de cette compétition. Enfin, elle a invité les deux équipes finalistes au fair play durant les matchs. Dimuso kwambi la ba sportif bet. Bana ibandundu ntele jai koko. Dini jija kuno ambila. Mvumu chamba tuva bana ditu kuja kumpala. Chintu echi in competition kadi ntishala. Chintu cha disanka. Fair play doit jouer. Na chane nous va perdre. De toute façon, il y a pas de perdant en sport. C'est juste une compétition menée, vous êtes tous gagnants. Donc, il faut bien jouer et après, que ça soit quelque chose de joie, de plaisir et non pas quelque chose qui puisse créer des désordres après. Ensuite, elle a donné un coup de pied au ballon au centre du terrain, synonyme du coup d'envoi du match. Voilà. La coupe sur la table. Ces deux jeunes équipes de moins de 20 ans ont produit un football spectaculaire devant l'organisatrice du tournoi et sous les ovations du public, très fière. Au coup de sifflet final, c'est la formation de GD Effort qui l'a emporté sur la note d'un but à zéro devant les jeunes de la commune de Dibindi à l'issue d'une finale amplement disputée. Pour conclure, toutes les parties prenantes ont été décorées à tour de rôle avec les médailles par Lydie Moussa Badibanga. Hormis ces médailles, l'équipe championne a reçu un trophée remis par la patronne de la fondation LMB accompagné d'une cagnotte équivalente à $500. La joie était totale dans les camps des jeunes du FC GD Effort. Les finalistes malheureux a reçu $250 comme récompense. Les deux quatre dernières équipes ont touché chacune $50 comme motivation, un geste de générosité qui a marqué les esprits. Il faudrait noter que du 25 au 29 octobre, ce tournoi a réuni 5 communes de la ville de Mbujimayi représentées respectivement par des équipes. À savoir la commune de Dibindi, Bipemba, Kanshi, Mouya et Djoulou. La sixième équipe, la formation de GD Effort, a été repêchée à l'issue des matchs de gala organisé en septembre dernier par Lydie Moussa Badibanga. Le tournoi Lydie Moussa Badibanga avait pour objectif
de promouvoir les talents des jeunes footballeurs amateurs de moins de 20 ans de la ville de Mbujumayi.